de son camion chassait les papillons d'Afrique. Les cannibales en le traitant d'espion l'arrêtèrent sans façon de suite. Il essaya de leur parler anglais, espagnol, portugais, chinois. Mais en voyant leur mâchoire qui s'ouvrait, il se mit à hurler d'effroi. Monsieur cannibale, je ne veux pas mourir. Monsieur cannibale, laissez-moi partir. Il leur montra son briquet, son stylo, ça montrait les photos de sa femme. Il leur chanta un grand air de Gounod, des chansons d'Adamo, que dalle. Il leur fit voir des journaux de Paris, personne ne réagit non plus. Désespéré, il sortit des revues remplies de filles toutes nues et dit: Monsieur cannibale, je ne veux pas mourir. Monsieur cannibale, laissez-moi partir. Quand le grand chef aperçut ses revues, qu'il vit toutes ses filles nues, il rit. Mais dans sa tête, une idée saugrenue, une idée farfelue surgit. Dans une case où était son harem, il entraîna lui-même le gars, qui en voyant les femmes se ruer sur lui avec tant d'appétit hurla: Monsieur cannibale, je ne veux pas mourir. Monsieur cannibale, laissez-moi partir. Pendant 8 jours, il resta enfermé et dut se partager en vain. Et comme déjà il n'était pas bien gros, il perdit 20 kilos au moins. Quand arriva l'instant où le grand chef lui fit comprendre par geste: allez, prends ton camion et retourne chez toi. Le Rome s'écria: jamais. Monsieur cannibale, je ne veux plus partir. Monsieur cannibale, j'aime mieux mourir. Monsieur cannibale, ding 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 dong, je ne veux plus partir. Ding dong 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 dong, monsieur cannibale. Je ne veux plus partir.